Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui aujourd'hui prend une autre dimension. Vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que votre humble serviteur va bientôt parfaire un document avec des artistes que vous allez désormais revoir sur JMTV+ et sur d'autres médias, revoir dans les festivals, revoir dans des spectacles. Ces artistes-là vont désormais être des artistes de l'agence JMTV+, Jackie Mofo. Il s'agit de Sammy Massamba et de Michaela, le duo, c'est Sam et Mika. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mika? Très bien, ça va. Toujours un beau sourire. Hein? Écoute, on hein? essaye, on essaye. Sam, oui. Comment ça va? Ah, toujours bien. Toujours bien. Hein? Oui. Est-ce que tu mets des lunettes? Oui. Mais tu es devenu Guadeloupéen? Non, 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 t'inquiète pas, c'est pas pour faire le fier, attention. C'est vraiment pour... pour voir juste quoi. Ouais, juste. Alors dans quelques minutes nous allons parapher un contrat de partenariat, n'est-ce pas? Je vais devenir votre agent. Ouais. Pourquoi avez-vous choisi de faire de moi votre agent? Je vais laisser. Ben écoute, moi je pense que tu as du talent. Tu le sais peut-être pas. Hein? C'est pas de ma faute si tu le sais pas. Mais en tout cas tu as du talent et j'ai trouvé en toi quelqu'un qui pouvait mener à bien nos affaires, Sam et Mika. Donc voilà, et c'est pas anodin parce que confier quelque chose, confier une responsabilité à quelqu'un, c'est pas une mince affaire. C'est tout simplement que tu es quelqu'un de confiant, de confiance. Oui. De fiable. Attention, attention. Jackie, on n'est pas en train de te... De me brosser dans le sens du poil. Voilà. C'est vraiment... ça valait le coup que tu sois notre agent. Donc, mais non, mais attention. Si jamais tu... faille, attention, c'est un coup de pied. C'est le bâton et la carotte. Quoi. Ça, c'est pour rigoler. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense que non, c'est avec beaucoup de plaisir, hein, beaucoup de bonheur qu'on t'a choisi. C'est pas, il n'y a pas que moi qui t'ai choisi. Ben, Mika. Je vais aller dans le sens de Sam. Mmh. Voilà, pour moi, tu es quelqu'un de compétent qui a du talent et on se sert de ton talent et de tes compétences pour mener à bien notre projet. Depuis le temps, comme dit, j'ai du talent. Si c'était de l'argent, je serais riche, moi. Ne te dis pas, mais tu sais, l'argent, ça se travaille. C'est très bien. Bon, ben, chers téléspectateurs de JMTV+, ce contrat-là, nous allons donc le signer et vous le présenter. Mm-hmm. Qui commence, le stylo là, qui commence d'abord la dame. Je peux commencer, mais la dame d'abord. La dame, bien entendu, il ne faut pas qu'on nous traite de machiste, voilà. Plaisir. Surtout qu'elle est la seule devant nous, voilà. Voilà, lui est approuvé. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. 2017. Signé. Tac, 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 signé. Voilà. Très bien, les initiales. Sur l'autre feuille aussi. Sur l'autre feuille aussi. Il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier. MM. Voilà, MM. C'est marrant. Très bien, ensuite. La première fois que j'ai signé un contrat, oui. Ma vie, j'étais très jeune. Tu le dis, moi. C'était carrément un dictionnaire. Il y avait tellement de pages. Oui. Et là, il n'y en a que deux. Ben oui. Et on s'est concentré sur l'essentiel. C'est très pragmatique. Et je trouve ça vraiment. Je ne sais pas si c'est le progrès qu'on. Mais en tout cas, je trouve ça très efficace. Bon, ben vas-y. Voilà. Donc, je peux signer donc. Je ne te mets pas une arme sur la tempe. Je me retourne d'ailleurs. Voilà. Quand tu filmes mon âme et conscience. Ouais. Tac. Ensuite, ce sera voilà. Oui, les initiales. Voilà. Sur l'autre feuille aussi. Ah, c'est vrai. Faut pas oublier, sinon le contraire est nul. Heureusement qu'il y en a. Il n'y a que deux pages. Ouais. Ce ne sont pas les 20 premières pages. Ça m'a tourné la tête là. Voilà. Voilà, à mon tour maintenant. Oui, oui, oui. Voilà, chers téléspectateurs, sur JMTV+, on dit tout, on montre tout. Hein. Oui, oui. Donc, voilà. Ensuite, lu et. Approuvé le 2 septembre 2017. Ensuite, les initiales JM. Voilà, la deuxième page. Et sur la deuxième page, JM. Voilà. Voilà. Chers téléspectateurs, le contrat, il est là, il est signé. Et voilà, c'est fait.
C'est ça, fait. C'est fait. Voilà. Il nous reste maintenant à nous serrer les pinces. Oui, tout à fait. Ils sont témoins. Attention. Vous êtes témoins. Voilà. Voilà. Pas des jours, mais bon. Écoute, on va se serrer les pinces. Jackie, hein? J'espère que les pouvoirs qu'on t'a confiés. Ah, bah mon Dieu. Attention, devant la caméra, je le dis. Hein. Oui. Là, attention. Hein. Voilà. Donc, tu es notre agent. Voilà. Attitré que, voilà. Que voilà. Les. Et tes spectateurs regardent. Voilà. Ça, voilà. Voilà. Merci beaucoup voilà. Pour la confiance. Alors, que vous je ne vais pas te confisquer la main. Ne confisque pas. Et surtout, elle, je dois l'embrasser plutôt. Hein. Voilà. Voilà, merci pour la confiance. Super, super. Chers spectateurs, je ne vais pas terminer sans vous dire que ces deux personnes ont évolué avec de grands artistes que vous connaissez certainement. Je vais commencer par toi, Mika. Mm-hmm. Tu jouais dans le groupe Romance, que chapeautait Jean-Claude Mondésir. Voilà, on a été produit par Jean-Claude Mondésir à l'époque. Donc on a eu deux albums, 96 et 98. Peux-tu nous pousser une petite chansonnette de cet album-là? Un petit quelque chose. Alors, c'est Love ou moi, mais l'aime-nous tous les deux, sans t'échaler, oh, l'aime-moi. C'est Love ou moi, mais l'aime-nous tous les deux, sans t'échaler, si moi. Waouh! Wow. Alors Jean-Claude Mondésir, pour ceux qui sont beaucoup plus jeunes que nous, c'est l'homme qui chantait Déshabillez-moi, la 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 la. 36-15, c'était quoi? Je crois que c'est un truc comme 36-15, ça. 36-15, téléphone, ouais, hein? Téléphone, voilà. Bah, voilà très sensuel, voilà. Très que le lover de ces dames. Le témoin, Déshabillez-moi. Tu m'as su, il n'a jamais déshabillé personne, hein? C'était juste la chanson. Je t'assure. Et Sam, voilà, Sam a chanté dans un premier temps avec un groupe qui s'appelait Les Cheveux Crépus et qui faisait du gospel congolais à l'époque. Je suis sûr que c'était du gospel très très beau, pas du tout congolais. Ensuite, il a chanté avec le groupe Dicalo et dans ce groupe-là, on retrouvait l'homme qui chanta Valentine, maman, banana, ingite, bobe, bobe, na matimba, oh, maman, mio, Valentine, maman, Eko Roosevelt, vous avez reconnu. Donc, Sam a chanté dans le groupe Dicalo avec Eko Roosevelt ainsi que Vicky Edimo, l'un des plus grands bassistes que l'Afrique ait jamais connu. Vous connaissez Richard Bona aujourd'hui. Hier, c'était Vicky Edimo à Armand Sabal. Tout à fait. Voilà, des gens qui. Et ensuite, Sam a chanté dans le groupe Matadi que tu as créé, Sam. Hein? Oui, tout à fait. Que tu as créé. Avec Touré Aladji. Avec hein? Touré Aladji, dont vous savez voilà. Un peu. Hein? Touré Aladji, Aladji Touré, le grand bassiste camerounais. Voilà, des gens avec qui Sam a chanté. D'ailleurs, qui a fait Monibilé. Qui a fait Monibilé. Tous les grands, ouais. Les grands chanteurs de Mako Sayer. Ont été produits par Aladji Touré, on peut le dire. Hein? Bien sûr, bien comme sûr. Disait Moni Bilé sur ce plateau, chaque artiste Makossa a sa petite histoire en Aladji Touré. Ah, oui. Donc, tu as joué avec Aladji Touré, tu as ensuite produit ou bien joué avec des gens comme Rennes Pelagie de Côte d'Ivoire, oui. Avec Monique Seka. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que en dehors de l'artiste musicien que je suis, avant tout, je suis quand même arrangeur musical. Tout à fait. Hein, je crois que beaucoup se reconnaissent. Beaucoup, il faut citer quelques-uns, quelques-unes. Voilà. Reine Pelagie. Oui, j'ai fait pas mal de Monique Seka. Aïcha Kone. Aussi, on a cité Reine Pelagie. Reine Pelagie, déjà, oui. Baïs Pinto. Baïs Pinto, voilà. Monique Seka, tu confirmes. Monique Seka, oui. J'ai même fait la production avec Taïe François. Voilà. Tout donc, à fait. Et il y a un artiste là que je voudrais, par la même occasion, lui rendre hommage, c'est François Louga. François Louga, oui. François Louga, l'Ivoirien. C'est vraiment le disque d'or que j'ai fait avec lui. Hein. François Louga qui a été repris tout récemment par une chanteuse ivoirienne, Lizzie McCoury, que nous saluons. Voilà, très oui, bien chanson. Je connais très bien aussi. Lizzie, hein. Oui, oui. Bon, je n'ai pas travaillé, mais j'ai été son distributeur. Hein, ah, d'accord. Donné, Lizzie McCoury. D'accord. D'ailleurs, je la salue. Hein, voilà. Alors, il faut aussi dire que tu as joué sur la même scène que James Rand.
Oui, ça c'est à Copenhague. Vraiment. À Copenhague, au Danemark. Mais je ne suis pas James Brown. Non, pas encore. On a partagé. La même scène, tout simplement. Oui. Et puis, dans le même hôtel, la chambre aussi. On n'a pas couché ensemble. Mais j'ai été ravi de voir que James Brown venait de dormir dans le même hôtel que toi. Voilà, même lit. Il est parti, moi je l'ai remplacé. Mais c'était une période comme ça. Bah ouais, tu sais, dans la vie musicale, dans la vie de musicien, bon, on dit qu'il y a des hauts et des bas. Mais c'est vrai que quand il y a des hauts, il se passe plein de choses. Quoi. Et quand il y a des bas, il y a des débats ensuite. Oui, voilà aussi. Alors, Sam, tu vas prendre cette bouteille. Oui. Nous n'allons pas citer ce que c'est, mais les téléspectateurs ne se trompent pas, ils savent ce que c'est. Oui. Tu vas l'ouvrir, ensuite oui. Mika va nous servir, nous allons trinquer à cette signature et ce sera la fin de notre affaire. Voilà. Donc, la bouteille, Je prends la bouteille, avec plaisir. Vous allez nous permettre tous les deux, n'est-ce pas, de citer les deux autres artistes. On partage toujours entre artistes, hein, citer les deux autres artistes qui font partir de la film JMTV Plus de Jackie Moifo. Il s'agit de Dave K. Mortoy, hein, qui est aux États-Unis. Salut à toi, Dave. Nous pensons fort à toi. Et Christelle Jatou, qui est quelque part en Aquitaine, en France. Voilà, en plus de vous deux, voilà les deux autres artistes dont je suis l'agent en Europe. Voilà, vous savez tout. On vous dit tout sur JMTV Plus. J'aimerais tellement que tu nous pousses une petite chansonnette pendant qu'il nous a goûté. Oui. Qu'on n'entende pas la voix, Mika, vas-y ta voix. C'est quelqu'un m'a susurré à ton oreille, te comble de merveille. Toi qui connais le meilleur de mon éveil, mon corps jusqu'aux orteils. Pendant des heures enlacées, tout oublié, à perdre le sommeil. Savourer ce goût de miel. Mais qui connaît mes désirs, qui connaît mes envies, mon trésor. Voilà. Ça se voit qu'elle la joue dans un groupe chapeauté par Jean-Claude Mondésir. C'était du grand désir. Alors Sam. Oui, mais attention, le morceau qu'elle vient de chanter là, c'est moi qui l'ai produit. Ah, voilà. Ça, c'est la production De mon album solo. Voilà, voilà. Je confesse. Mais je pourrais, c'est pas parce qu'elle est là, mais je pense que c'est une des meilleures voix aux Antilles. Moi je suis tombé sous le charme de cette voix-là, et puis en plus elle a beaucoup de talent. Écoute, moi je pense qu'on va en arriver là. Hein, je le confirme. Bon, cette bouteille, oui, ça vient de fêter pas. Quelque chose. Ça vient. Voilà. Bon, ben, ça c'est de l'élégance hollandaise. Comme quoi tous les chemins ne mènent pas au Rhum. Ah, t'as vu ça, non? Tiens, voilà. Merci beaucoup. Il doit être bon. Forcément. Non, mais c'est très bien, un événement pareil, ça. Il faut fêter les événements de ce genre. Voilà, j'ai le hockey déjà alors que je n'ai pas encore bu. Bon, attention, en redéposant la bouteille, on ne va pas leur faire de la pub à quelqu'un. Voilà. C'est bien, on trinque. Voilà. À notre succès, hein. À notre succès, oui. Bah oui, c'est le but, hein. Of course. Yes. À notre succès. Of course. Mika, la samba, ça. Voilà, à votre santé, puis au succès. À votre santé à la maison et au succès de ces deux artistes que vous retrouverez bientôt dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. D'ici là, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée ou une agréable journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette petite tranche de communication. On vous embrasse très fort. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao. Et qui connaît mes désirs? Qui connaît mes envies?